Bonjour, bonsoir tout le monde et encore une fois, nous disons bienvenue sur la chaîne Jojo Maker. Yon l'autre jour, yon l'autre vidéo. Je dis à nous porter pour une vidéo qui est vraiment intéressante. Si vous abonnez sur la chaîne, là, nous invitons à faire ça et activer la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo qui vient pour sortir. Nous porter pour l'église qui est gros dans le monde. Je dis à nous parler de cette église qui est gros dans le monde. Mais nous avons plus chita sur l'église évangélique. Moi, l'église là même blé dit assemblée qui sortit dans le latin ecclesia. C'est une communauté ou bien nous capable dire c'est un groupe de monde qui gagne même croyance qui réunit dans même espace pour adorer, prier, chanter ensemble. L'église évangélique c'est un temple côté toute fidèle yo réunis pour yo adorer, chanter, louer et prier dans bon Dieu. Yo croit dans Jésus-Christ comme petit bon Dieu. Gagne en pile à travers monde là, yo dans tout continent, dans tout pays. Gagne qui tout petit comme ça tout gagne qui vraiment gros. Laisse ça Yore Leo Mega Church. Jodi a, ou pral konnen cette l'église évangélique qui pi gros à travers monde là. Église évangélique de Yoido, c'est une église pentecôtiste qui trouvait dans ville Séoul, pays Corée du Sud, sous un petit île qui relé Yewi. L'église ça dirigée par pasteur Young Moon Lee. L'église a été fondée par pasteur David Yonggi dans l'année 1958. Première réunion a été faite dans sa long pasteur. Après quelques évangélisations dans quelques mois, l'église a été gagnée plus passé 50 fidèles. Bref, nous pas fait trop histoire. Actuellement, dans la ville Séoul, l'église a gagné environ 200 000 fidèles. Oui, 200 000 fidèles. Et dans l'année qui vient, capable de gagner plus de monde toujours parce que c'est l'évangile qui a prêché. Calvary Temple Church, église du temple de Calvaire. L'église ça trouvé dans le pays Inde, ligué comme pasteur Satish Kumar. C'est une église qui fondée dans l'année 2005. Pour arriver dans l'année 2018, il y a environ 195 000 fidèles. Mais l'église ça a été fondée avec 26 fidèles seulement. Dans l'année 2006, il est passé à 1000 fidèles, 2007, 3000. Et en 2013, il est passé à 80 000 fidèles. Et pour l'année 2018, il est arrivé à 195 000 fidèles. Il fait qu'on ait une possibilité dans l'année 2021, il est passé à 225 000 fidèles. Possible pour une église qui a plus de monde à travers le monde. Hand of God Cathedral, une église qui trouvait dans le pays Nigeria, dirigée par pasteur David Ibiomi. Projet qui a commencé dans l'année 2010 dans l'idée pour te prendre environ 40 000 fidèles. Mais avec puissante montée l'église après un pile évangélisation qui te vient construire environ 50 églises annexes. Et en 2016, dans une journée seulement, il a bâti 13 églises. Dans un espace 50 000 m², c'est l'église qui est plus gros dans le Nigeria, qui est capable de recevoir environ 120 000 fidèles, construit par une société chinoise. Dunamis International Church, c'est l'église qui trouvait encore dans le pays Nigeria, dans la ville Abuja, avec une capacité environ 100 000 fidèles. L'église là Capran, dirigée par pasteur David Oyedepo, l'église ça a été fondée depuis l'année 1996. Selon pasteur David Oyedepo, c'est un accomplissement de une prophétie que bon Dieu t'a fait. D'après ça, il te dit, Dieu nous a donné la vision, avec la vision, il doit venir l'emplacement. Déclaré pasteur David. Champions Royal Assembly. Dans le pays Nigeria encore, ville Abuja, inaugurée dans l'année 2015 avec une capacité de 80 000 fidèles, dirigée par un prophète, un pasteur, un théologien, Joshua Iginna, qui est président de l'école théologique. Maman et papa étaient musulmans, mais lui-même était choisi de faire l'autre. Nous n'avons pas trop d'informations de l'église, mais nous connaissons une capacité de environ 80 000 fidèles. Deeper Life Bible Church ou Église biblique de la vie profonde, c'est un regroupement de plusieurs églises, pentecôtistes, évangéliques, baptistes, etc. Siège trouvé dans le pays Nigeria, dirigé par pasteur William Koumouyi. L'église ça tout gain là-dedans l'école biblique ou bien l'école théologique. Yo estimé à environ 65 000 fidèles. L'église a été fondée dans l'année 1973 pendant M. William Koumouyi, professeur mathématique dans l'université Lagos dans le pays Nigeria. Il était commencé une étude biblique à 15 autres étudiants qui étaient demandés pour faire ça pour eux. C'est là le ministère a tout commencé. L'église a environ actuellement 65 000 fidèles. Victory, c'est une église lui-même tout qui regroupait en pile l'autre église dans la ville Taguig dans le pays Philippines. Li affilié à mission qui relève Every Nation. Pasteur l'église ça relève Mani Carlos. L'église ça a été fondée dans l'année 1984 après un groupe étudiant américain qui venu en mission dans zone ça. Pour arriver dans l'année 2015, ils ont gagné environ 15 autres églises et ont fait 94 services chaque semaine. Ils ont estimé l'église ça kounya à environ 65 000 fidèles. Il y a un paquet l'autre l'église qui gagne un pile fidèle toujours. Tant que l'église Jojo Church qui est vraiment connue dans le pays États-Unis qui gagne environ 52 000 fidèles. Que pasteur Joël Osteen a dirigé. Haïti, nous avons Shalom qui est dirigé par pasteur Muscadé. Malheureusement, je ne connais pas combien de monde l'église a. Si ce n'est pas lui-même qui gagne plus de monde dans l'église en Haïti, si nous connaissons combien de monde l'église a gagné, faites-moi comme ça dans les commentaires. Ou tap suivre cette l'église qui pi gros dans le monde là. Souterrain mes ti vidéo, yon seule façon pour montrer nous ça, c'est lorsque vous cliquez sur petit pouce bleu. Et puis partagez vidéo ça avec zami ou avec famille pour plus moun capable connaître information ça. Pas oublier, si vous abonner sur channel là, faites ça kounya et activez la cloche notification pour pas rater une vidéo qui vient pour sortir. N'a bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo.